Dear guests, participants, and contributors to the bowl, terima kasih. Thank you for coming. Firstly, I would like to apologize on behalf of the artist Eriki Tan. She had hoped to be here in person to celebrate alongside and to thank the various contributors and producers of the bowl. Tam Kanibalises, why don't you sila mengkanibalkan kami mautak? However, she is unable to be present and I promised I would try in her absence to speak for her. Before I continue, Erika encouraged me to give a little introduction to myself, saying that on these occasions, audiences often require if not demand to know one's provenance. This is especially in the case when you step in to replace someone. My name is Halimah Binti Abdullah, and I am also an artist, a performance artist. You may not yet be familiar with my work as I am based in England, and have not been able as yet to return to Singapore I have. However, some works collected at the Victoria and Albert Museum and the British Museum. I have also participated in one of the biggest exhibitions in London, which took over an entire area in Wembley. You may be more familiar now with Wembley through its connection to football. However, the initial stadium was built in 1923 and known as the British Empire Stadium. The performances I undertook for this exhibition were durational works, taking place during the day and night. You might describe these works as socially engaged or relational works, although I think of them more as provocations to the status quo. We perhaps could be seen as social animators. Given that the performances were so long, I in fact ended up staying at the exhibition site along with the other performers who lived too far away to make a daily commute. We treated it as a residency space, sharing the experiences of the daily performances and recounting the various encounters we had with our audience. On the whole, the work was very well received and we had very good attendance, although there was also the usual critical responses to socially engaged practices in terms of seeing it as instrumentalist puppetry, but on the whole, there was a lot of positive responses, especially to the way we enacted our characters. People often spoke about unfriendliness. Alongside the performances, we also were able to come out of Chosume soon to speak and visit the rest of the exhibition or enjoy the company of other performance artists. It is at this exhibition that I met Erika. She had been trying to make contact with me for quite a while. However, due to the vastness of the exhibition, she had always managed to somehow miss me. We are now discussing the possibilities of working on a project together, in which I will be the major object of focus. As artists, we are both interested in the transformation of objects from one state to another or one use to another. We both have a way through the material at hand, recognizing that at times, that although the final end product of our work is important, it is often the process and our presence which affect the work's interpretations. With this in mind, we will be making a film performance in which we will feature as key figures, but however, be absent instead using actors to call forth our presence. We are currently scripting the work,
and designating roles for various participants. We are also doing casting calls and looking for someone who can play myself. Given the work is a performance of sorts, we have a figure in mind, but are open to their interpretation of the role. The location of the film will focus on the small town outside of London, where I reside. It's a very provincial town. There is a lot of greenery. It is quiet and fairly peaceful, despite having some fairly famous people also residing here, such as Freddie Mercury. Brookwood used to be a much busier place, with weekend visitors and two train stations to deliver one-way passengers from London. Historically, it has the largest resting place in Britain and one of the largest Muslim congregations in Europe. In the 19th century, Brookwood was considered the hotbed of Islamic conversion. There is also a small Megabur Hall of Malaysians, a large Turkish area, and Saudi area. Nearby there are a number of army barracks, including Americans and Gurkhas. You would say it's quite a cosmopolitan area. However, there are all the usual divides and various segregations. We are planning to take the work back to Singapore together. Next year, Singapore's 50th anniversary of independence would be a good moment, although I am not convinced that art and history should really mix. Eric, on the other hand, would probably beg to differ. On this note, we felt it would be useful to show a film which has been a major cause for arguments between us. The film is Statues Also Die. The opening lines of the film are, "When men die, they become history. When statues die, they become art." This botany of death is what we call culture. We argue, however, about the status of performance within this division of subject and object and the notion of death and afterlife. We are both interested in the transformation of states, but question in the oppositional position of art and history. The film doesn't answer Sabir Hussain Mustafa's question to Erika in the book about the status of the non-Western art object, but it does start working on you differently the instance you swap the references to Africa with Malayan and take up the position of we would urge you to try this as you watch a selection of clips from this film. Thank you. Please start the clips. Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. C'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées comme les cailloux du petit pousset, mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu, et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée. «
L'art nègre. Nous le regardons comme s'il trouvait sa raison d'être dans le plaisir qu'il nous donne. Les intentions du nègre qu'il crée, les émotions du nègre qu'il regarde, cela nous échappe. Parce qu'elles sont écrites dans le bois, nous prenons leurs pensées pour des statues. Et nous trouvons du pittoresque là où un membre de la communauté noire voit le visage d'une culture. C'est son sourire de Reims qu'elle regarde. C'est le signe d'une unité perdue où l'art était le garant d'un accord entre l'homme et le monde. C'est le signe de cette gravité que lui lègue, au-delà des métissages et des bateaux d'esclaves, cette vieille terre des ancêtres, l'Afrique. Quelle musique berçait cette petite princesse, cette petite orange mûrie dans les caves du Bénin? Quel culte présidait cette petite république de la nuit? Nous n'en savons rien. Ces grands empires sont les royaumes les plus morts de l'histoire. Contemporains de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, ils nous sont plus inconnus que Sumer et Babylone. Au siècle dernier, les flammes des conquérants ont fait de tous passer une énigme absolue. Noir sur noir, combat de nègres dans la nuit des temps, le naufrage nous a laissé seulement ces belles épaves striées que nous interrogeons. Mais si leur histoire est une énigme, leurs formes ne nous sont pas étrangères. Après les frises, les monstres, les atrides casqués du Bénin, tous les vêtements de la Grèce sur un peuple d'insectes, voici ces Apollons d'Aïphée qui nous tiennent eux aussi un langage familier. Et c'est à juste titre que le noir y puise l'orgueil d'une civilisation aussi vieille que la nôtre. Nos ancêtres peuvent se regarder en face, sans baisser leurs yeux vides. Mais cette fraternité dans la mort ne nous suffit pas. C'est beaucoup plus près de nous que nous allons trouver le véritable art nègre, celui qui nous déconcerte. L'énigme, elle commence maintenant, ici, avec cet art pauvre, cet art du bois dur, avec ce plat à divination par exemple. Il ne nous sert pas à grand-chose de l'appeler objet religieux dans un monde où tout est religion, ni objet d'art dans un monde où tout est art. L'art ici commence à la cuillère et finit à la statue. Et c'est le même art. Nous connaissons un art où l'ornement d'un objet utile, comme l'appui-tête et la beauté inutile de la statue, appartiennent à deux ordres différents. Ici, cette différence tombe quand nous regardons de près. Un calice n'est pas un objet d'art, c'est un objet de culte. Cette coupe de bois est un calice. Tout ici est culte, culte du monde. Quand il fait reposer le siège sur des pieds d'homme, le noir crée une nature à son image. Dès lors, tout objet est sacré, parce que toute création est sacrée. Elle rappelle la création du monde et la continue. L'activité la plus humble concourt à l'ensemble d'un monde où tout est bien, où l'homme affirme son règne sur les choses en leur imprimant sa marque et quelquefois son visage. Gardien de tombeau, sentinelle des morts, chien de garde de l'invisible, ces statues d'ancêtres ne forment pas un cimetière. Nous mettons des pierres sur nos morts pour les empêcher de sortir. Le nègre les conserve près de lui pour les honorer et profiter de leur puissance dans un panier rempli de leurs ossements. C'est des morts que procèdent toute sagesse et toute sécurité. Ils sont les racines du vivant. Et leur visage éternel prend parfois forme de racine. Ses racines fleurissent. La beauté involontaire des animaux et des plantes éclaire un visage de jeune fille. Et nous pouvons bien prendre sa lumière pour un sourire ou même son huile pour une larme et nous émouvoir, à condition de bien savoir que ces images nous ignorent, qu'elles sont d'un autre monde, que nous n'avons rien à faire dans ces conciliabules d'ancêtres qui ne sont pas les nôtres. Nous voulons y voir de la souffrance, de la sérénité, de l'humour, quand nous n'en savons rien. Colonisateurs du monde, nous voulons que tout nous parle, les bêtes, les morts, les statues, et ces statues-là sont muettes. Elles ont des bouches et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne nous voient pas. Et ce ne sont pas des idoles, plutôt des jouets sérieux, mais qui ne valent que parce qu'ils représentent. Il y entre moins d'idolâtrique dans nos statues de saints, personne n'adore ces poupées sévères. La statue nègre n'est pas le dieu,
Elle est la prière. Mais victorieuse du corps, la mort ne peut rien contre la force vitale éparse en chaque être et qui compose son double. Pendant la vie, ce double prend parfois la forme de l'ombre ou du reflet dans l'eau, et plus d'un homme s'est noyé pour avoir été tiré par là. Mais la mort n'est pas seulement quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on donne. Voici la mort d'un animal. Où est passée la force qui habitait cette main? Elle est libre maintenant. Elle rôde. Elle va tourmenter les vivants jusqu'à ce qu'on la recueille dans son ancienne apparence. C'est à elle que s'adresse le sang du sacrifice. Et c'est elle que l'on fixe dans ses métamorphoses légendaires pour l'apaiser jusqu'à en faire ses visages victorieux qui réparent le tissu du monde. À leur tour. Classés, étiquetés, conservés dans la glace des vitrines et des collections, ils entrent dans l'histoire de l'art, paradis des formes où s'établissent les plus mystérieuses parentés. Nous reconnaissons la Grèce dans une tête africaine vieille de 2000 ans. Le Japon dans un masque de Logwe. Et encore l'Inde, les idoles sumériennes, nos Christ romans ou notre art moderne. Mais en même temps qu'il gagne ses titres de gloire, l'art nègre devient une langue morte, et ce qui naît sur ses pas, c'est le jargon de la décadence. À ces exigences religieuses succèdent des exigences commerciales. Et puisque le blanc est acheteur, puisque la demande excède l'offre, puisqu'il faut aller vite, l'art nègre devient l'artisanat indigène. On fabrique par milliers ces répliques de plus en plus dégradées des belles figures inventées par la culture africaine. Ici, l'outillage vulgarise, la technique appauvrit. Au pays où toutes les formes signifiaient, où la grâce d'une courbe était une déclaration d'amour au monde, s'acclimate un art de bazar. Ces bijoux en toc que les explorateurs offraient aux sauvages pour les amadouer, voici que le nègre nous les rend. À la beauté particulière de l'art nègre se substitue une laideur générale, un art où les objets deviennent des bibelots, un art cosmopolite. Un art du vase à fleurs, du presse-papier et du porte-plume souvenir où l'on voit en transparence la tour de Babel. Un art du portrait aussi. Incapable désormais d'exprimer l'essentiel, le sculpteur se rattrape sur la ressemblance. Nous lui avons appris à ne pas sculpter plus loin que le bout de son nez. Mais ce que nous faisons disparaître de l'Afrique ne compte guère pour nous en face de ce que nous y faisons apparaître. C'est que nous sommes les Martiens de l'Afrique. Nous débarquons de notre planète avec nos façons de voir, avec notre magie blanche et avec nos machines. Nous guérissons le noir de ses maladies, c'est certain. Il attrape les nôtres, c'est certain aussi. Qu'il perde ou qu'il gagne au change, son art en tout cas n'y survit pas. La magie destinée à le protéger lorsqu'il mourait pour son compte est sans pouvoir lorsqu'il meurt pour le nôtre. Entre le paradis chrétien et l'immortalité laïque, le culte des ancêtres s'évapore. Le monument aux morts remplace la statue funéraire. Tout ceci dominé par le blanc qui voit les choses de sa hauteur et s'élève au-dessus des contradictions de la réalité. De cette hauteur, l'Afrique apparaît ordonnée, riche, recouverte déjà de villages modèles, pleine de ses igloos de béton comme des globules blancs de la civilisation. De cette hauteur, l'Afrique est un merveilleux laboratoire où se préfabrique patiemment, en dépit de quelques saignées, le type du bon nègre rêvé par le bon blanc. Alors tout cet appareil de protection qui donnait son sens et sa forme à l'art nègre se désagrège et disparaît. C'est le blanc qui prétend assumer le rôle des ancêtres. La véritable statue de protection, d'exorcisme et de fécondité, désormais, c'est sa silhouette.